Le réflexe normal, c'est que vous répondriez simplement à ces demandes. Il vous dirait, décrivez-moi le logement, ainsi de suite. Il vous poserait des questions, puis vous répondriez. Le problème là-dedans, c'est que vous en allez où le client veut vous amener. Okay? Alors, la façon professionnelle au niveau des ventes, okay, la façon d'avoir une approche de vente professionnelle, c'est qu'avant tout, il faut comprendre son besoin. Alors, ce que vous devriez faire, finalement, c'est lui dire, oui, avec plaisir, je vais vous donner des renseignements. Dites-moi, monsieur Untel, parlez-moi de où, où est-ce que vous êtes présentement, où vous déménagez de où à où. Et, alors, le truc là-dedans, si on peut dire ainsi, ou la stratégie, c'est de le faire parler. Alors, plus il va vous parler des raisons pour lesquelles il considère déménager, donc il va vous parler de certains problèmes qu'on va appeler en technique de vente, éventuellement, vous allez découvrir ses besoins. Là, il va être beaucoup plus facile ensuite d'adapter votre présentation de votre logement à ses besoins. Et de cette façon-là, ce que ça a pour effet, c'est que de un, vous allez mieux répondre à ses besoins, donc vous allez avoir un client qui est satisfait. Un client qui est satisfait puis qui voit ou qui perçoit que vous répondez bien vraiment à ses besoins à lui, ça va être beaucoup plus facile de justifier le prix. Alors que si vous ne faisiez pas ça, à ce moment-là, c'est lui qui a le contrôle là-dedans. Alors que là, il va avoir vraiment la perception, il va voir que vous répondez très bien à ses besoins et ça va faire en sorte que vous allez avoir moins de difficultés à justifier votre prix par la suite. Évidemment, il découle de ça d'autres choses. C'est que là, si vous avez un client qui achète votre logement parce qu'il voit très bien ou il perçoit que vous répondez à ses besoins, ce qu'il va faire, c'est que oui, il va accepter, il va s'en venir chez vous. Et étant satisfait parce que ça correspond vraiment à ses besoins, bien, il y a beaucoup plus de chances non seulement que vous l'avez eu comme locataire, mais il va être heureux comme locataire, il va rester plus longtemps normalement parce que ça correspond à ses besoins. Puis par la suite, il va probablement en parler à du monde. Si on parle à du monde, ça va vous amener d'autres bons locataires, etc., etc. Donc, il y a juste du positif là-dedans versus simplement lui dire, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, puis là, c'est lui qui c'est normal que vous alliez le voir pour ça parce qu'effectivement, vous devez augmenter son loyer. Sauf que là, ça va devenir un peu une confrontation. Puis évidemment, ce que ça peut faire, c'est que souvent, il y a de l'agressivité qui va avoir là-dedans. Vous le voyez derrière, même dans le body language, vous allez voir, il va se croiser les bras, c'est quoi ça, tatata, ça n'est pas réaliste, ainsi de suite, vous exagérez. C'est toujours vous autres qui êtes les riches, puis nous autres, on subit. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'encore une fois, si vous y allez de cette façon-là, à froid comme ça, sans être préparé, ça va être difficile. Si vous êtes chanceux, vous allez peut-être entrer en ce qu'on appelle la négociation, mais encore là, la négociation va probablement prendre la forme d'une confrontation. Alors, ce n'est pas ça que vous voulez faire. Ce que vous voulez avoir, dans le fond, c'est l'approche gagnante-gagnante. Ce que vous voulez, c'est sortir de là avec, évidemment, satisfaction dans le sens que oui, vous avez eu l'augmentation parce que bon, vous n'avez pas le choix, vous ne le faites pas pour votre plaisir, l'augmentation, mais vous voulez que le client ait la perception, encore une fois, que c'était juste, c'était correct. Donc, la façon de le faire comporte des techniques de vente, encore une fois, des techniques de négociation où on va impliquer le client dans le processus. Alors, plutôt que lui dire c'est comme ça, puis pour telle et telle raison, on va l'engager à une discussion à deux personnes et puis à un moment donné, les deux vont y mettre du sien, puis vous allez arriver là, avoir l'impression que vous êtes satisfait et que le client aussi va être satisfait. C'est la même chose. Puis, ce qui va découler de là, encore une fois, c'est qu'il va avoir moins d'agressivité. Votre client, votre locataire, client va être quand même satisfait des résultats et il y a beaucoup plus de chances, encore une fois, que ça aille mieux, qu'il reste plus longtemps, qu'il vous réfère d'autres locataires, etc. Donc, c'est complètement une autre dimension.